La mode n'a pas de frontières. Elle est partout et nous invite à sa rencontre dans le monde entier. Je suis Elodie Thierry, styliste conseillère en images, passionnée de mode et de voyage. Je propose donc de découvrir les cultures et les savoir-faire incroyables que j'ai découverts lors de mes périples aux quatre coins du globe. Je vous emmène en mode voyage. Aujourd'hui, je m'envole direction Marrakech au Maroc. Cette ville, c'est comme un tableau. 6000 lumières, 6000 décors. Marrakech enivre mes sens, et ça tombe bien, je vais arpenter chacune de ses ruelles pendant 5 jours. Un voyage qui va me faire découvrir les 1001 trésors de ce joyau en matière de mode et de tissu. Mon voyage commence place Jemaa el Fna à l'intérieur de la Médina. Une ambiance étourdissante est le poumon touristique de la ville. Derrière les remparts se cache un vaste labyrinthe de souks. Royaume de la tchatch, du troc et des artisans. J'y trouve des produits en tout genre et l'expression « caverne d'Ali Baba » prend tout son sens ici. Dans ces souks, chaque cœur de métier a sa rue et ma première halte, c'est le marché des teinturiers. Derrière ces murs, je vois enfin la fameuse sabra marocaine, une soie végétale faite à partir d'aloe vera, une plante dont le pays déborde. J'ai de la chance, un artisan accepte de me montrer comment il teinte la sabra. La fibre est brassée dans ses cuves bouillantes. Le travail est pénible, mais tout le monde garde le sourire. Marrakech, tu as un concentré de bonne humeur et de couleur. Fleur de pavot pour le rouge, noyer de date pour le bleu, écorce de grenadine pour le jaune. Et le orange, c'est du henné. Le tissu est élastique, quasiment infroissable. On pourrait facilement le confondre avec de la soie animale. Alors attention de ne pas vous faire avoir. Direction maintenant le souk des tanneurs, à l'est de la Médina. Entre le cuir et le Maroc, c'est une longue histoire d'amour. Pas de grosses machines, les artisans ont conservé le savoir-faire du XIIe siècle. C'est d'ailleurs pourquoi le pays a donné son nom à la maroquinerie. Peau de mouton, de vache, de chèvre ou de chameau. J'apprends qu'il faut 30 jours pour tanner une peau. Elles sont d'abord plongées dans des bassins, savoureux mélange de chaux, d'ammoniac et de fiente de pigeon. Elles sont ensuite nettoyées au son de blé, préparées avec des tanins végétaux et minéraux avant de sécher au soleil. Un processus à l'ancienne, mis en péril par les tanneries industrielles aux méthodes de tannage moins longues. Une chose est sûre, après mon passage à Marrakech, je ne regarderai plus mes pièces de cuir de la même manière. D'ailleurs, si on allait voir ces fameuses pièces de cuir. Direction El Kebir Sheratine, le marché des celliers et du cuir. Ici, on trouve notamment des sacs et des ceintures. Cet artisan détaille le cuir, le teint et peut tresser plusieurs ceintures par jour. Mon voyage se termine à 20 km de Marrakech, à Tamchlot, l'oasis des artisans tisserands. J'ai rendez-vous avec la coopérative Artisachtam, qui fait vivre de nombreuses familles du village. Ici, les artisans ont des doigts de fée. Ils donnent naissance à de sublimes tissus grâce à leur métier manuel. Les femmes, elles, réalisent les broderies à la main. Ce savoir-faire a fait parler de lui et a attiré de jeunes créateurs qui y viennent faire fabriquer leurs collections. Marrakech, je dois déjà te quitter. Merci pour tes sourires, ta culture colorée et ce savoir-faire que tu t'emploies à conserver. J'espère que comme moi, vous aurez la chance un jour de vous y évader. Marrakech, tu me manques déjà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain En mode voyage.